bon matin, samedi 3 à août. Déjà mois de août. Fait que debout à 4h50 à matin. Je vais faire mes photos de check-in. En ce moment, je pèse 223.3. On est 8 semaines pas chaud. Je suis déjà à 39 points, quasiment 40 livres. De plus, je pense que ma condition est quand même pas pire encore. Fait qu'on va aller voir ça. Puis, après ça, ben, je vous filme le reste de ma journée. Fait que ça part. Repas numéro 1. Fait qu'on a 250 ml de blanc d'œuf, kimchi choucroute, sel rose, poivre, le petit classique. Et puis, on a ma crème de riz. 150 g de crème de riz aux pêches d'Elevate avec 100 g de bleuet, un petit peu de sirop sans sucre. Fait qu'aujourd'hui, c'est un leg day. Fait que une journée haute en calories slash glucides, journée de 5500 calories, il me semble que c'est 1000 grammes de carbs à peu près. Fait que là, j'ai fini ma routine matinale. Là, j'ai checké, puis ma routine matinale, ça me prend honnêtement à peu près 3 heures le matin. Tout préparer mes shakes digestifs, boire, faire les quelques check-in, faire mon cardio, faire tous mes étirements, plus exercices. Pour le corps complet, puis les jambes, abdos, vacuum, après ça, petit truc de gratitude. Fait que ça en fait pas mal, mais après ça part bien la journée. Puis ça optimise mon bodybuilding parce que ben, c'est ça qu'on fait, bodybuilding, puis on veut se rendre loin, fait qu'on coche le plus de boîtes possible. Fait que mangez ça, écoutez YouTube, pas travailler. Parce que c'est l'heure de manger. Puis, après ça, vous montrez le leg day. Je pense pas que je vous l'ai encore montré. Celle-là, c'est mon leg day numéro 2. Un petit peu plus de hamstring, mais je vous explique ça tantôt, en temps et lieu. Donc, on se voit tantôt. Bon, fait que deux working sets ici. Je dois faire 205 livres pour 15 pour le premier. Oh. J'ai fait deux warm-ups juste avant. Oh. Dernier set ici, je dois faire 12 reps.
Ça pogne. Bon, fait ici, un set de stiff. Leg deadlift. J'ai fait deux warm-up. Fait que j'avance mes pieds vraiment en dessous. Puis après ça, quand je lève, je pitch mes fesses vers l'arrière. Mais comme le range, c'est vous, vous êtes ici. Puis là, vous reculez les fesses un peu. Puis après, c'est juste le bas du dos qui se penche. Fait que tu sais, vous devrez. Fait qu'il y a plus de tension dans l'hamstring. Tu sais, vous devrez pas être capable d'aller à côté, dans le fond. Fait que moi, je m'avance les pieds ici. Puis là, c'est genre, legit, je suis accroché à ça. Puis je me penche vers l'arrière. Si je perds, moi, je crisserais le camp. C'est pour ça que je le fais dans Smith pour celle-là ici. Puis, je garde le chest up. Puis là, c'est vraiment juste mon. Vers l'arrière. Le range, il est pas gros. Mais c'est toutes mes hamstrings. Genre, si j'étais pas dans Smith, je crisserais le camp vers l'arrière. Puis mes jambes sont barrées droite, 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 là. Fait comme, rendre le mouvement le plus difficile possible. Bon. Fait que j'ai un working set ici. Pour hamstring, j'ai pas beaucoup de volume parce que c'est un muscle que je connecte vraiment bien avec puis qui rack facilement. Fait que c'est pour ça que j'ai juste un working set en général par exercice. Fait que sur aujourd'hui, c'est le dernier hamstring, j'aurais fait deux working sets à hamstring. Avec le show, je vais faire 180 pour 12 si je me trompe pas. Mais évidemment, on vise toujours max up. Oh fuck. Fait que leg press, 13 plates total. Oh my god. Oh, ça va être rough, ça. Dernier set ici. Aïe, aïe, aïe. Got this shit. Love you. Your feet.
Ah, fait qu'un set d'adducteur ici. Ouh. Mollet sur les leg press. J'ai deux sets ici. Je vais vous en filmer un. Parce que mollet, c'est pas super intéressant. Et puis, dernier petit exercice du calf raise, un mollet à la fois. Avec les bonnes tunes motivantes du gym. Ça, là, ça a l'air de rien, là, mais ça poigne quand même pas mal. Pas vous mentir. Oh. Ça va conclure le leg workout d'aujourd'hui. Il va me rester un set. Fait que je vous montre les repas par la suite. Claque, merci. Le numéro 2. Tu veux être en vidéo, ça dérange pas? Ah, non, Noémie qui vient de faire Popeyes, c'est ça? T'as bien été? Contente de ton. Oui? Ouais. Super bien été. T'aurais pas ça maintenant? Ah, ouais? Ouais. Je sais qu'il y a des filles, là, genre backstage, puis c'est comme qu'ils... Ça, je suis toujours dans la tête, ça. Hein? Mais non, t'étais vraiment pas sérieux. Merci. Deux années prochaines, si tu... pour faire quoi faire du Père National, ou... Je pense pas, l'année prochaine, je pense que ça va être ça. OK. Je pense qu'on va prendre l'année prochaine. Ouais. Sinon, je suis en train de faire un changement de quoi faire. OK. Ça, c'est... Vu qu'il va être après National, fait... Le 1 an, j'allais faire en 2026 comme ça. Parce que papa, c'est comme avant. Chaque année, comme si j'ai fait pas direct, je me reclate au même jour avant. Ouais. Sinon, soit King Kong et 2026, sinon, off 2025. Ouais. C'est ça, juste parce que tu veux rajouter le 16? Ouais. Jamais d'aller au rêve de compétition, puis. Ben, peut-être que tu l'es pas, là, mais. Il y a la cage de plus, là. Ouais, exact. J'avais pas vraiment de gros officines. Ouais. Ouais, c'est pas mal différent, ça. Définitivement. J'ai bien hâte. Yes. Donc, repas numéro 2, 200 g de Fruity Pebbles, 30 g de iso à la vanille. C'est bon, t'as vu?
Tout c'est bon. J'aime ça manger pitcher au gym. Juger gym. Je vais d'avance le matin en train. Prendre mon workout. Plus chill. Et plus de manger. Puis repas numéro 3. 115 grammes de poulet, 300 grammes de riz noyé dans du ketchup sans sucre. Fait que c'est un bon workout. Je suis dead. Je vais écouter YouTube, le classique. Puis ça ressemble à ça pour le moment. Fait qu'on se voit tantôt. Repas numéro 4. On a 300 grammes de riz, 150 grammes de poisson baza noyé dans la belle moutarde. Le classique, et puis choucroute. C'est le rose. Un peu de cannelle. Les classiques petits mix fucké qu'on développe en prep. Qui finalement reste pas juste en prep parce que j'en mange encore par la suite. Fait que, manger ça. Aujourd'hui, j'ai quand même vraiment faim. On dirait que le plus que je mange, le plus que j'ai faim. Fait que, on va faire ça là. Bon, fait que là, faut que je vous montre. Je me suis guette un petit tapis ici. Pas que je n'avais déjà pas, mais comme. Ouais, j'en avais déjà un. Fait que. Je me suis acheté un autre tapis parce que je suis paresseux, tant qu'à aller marcher dehors. Là, je suis tanné de travailler en marchant parce que j'ai déjà mon. Ben, je vais vous le montrer pour ceux qui n'ont jamais vu plutôt. Parce que j'ai ici mon petit walking pad qui est pliable. Après ça, je le mets sous l'ordi. Puis après ça, je monte le bureau. Ça, c'est bien fun. Là. J'arrive ici. Puis je pèse ici sur le bouton. Puis ça, la table monte. Comme ça, je peux faire le setup. Je mets le petit tapis là. Après ça, je peux marcher en travaillant. Mais là, je vais baisser la table. Je suis allé travailler. C'est quand tu veux que je travaille. Puis j'ai le goût de marcher dans cet ordi. Fait que je me suis mis un petit finition ici. C'est quoi l'émission que j'ai mis? Je me porte de quoi niveau? Tom Clancy's Jack Ryan. Fait pour ceux qui l'ont déjà vu, vous pouvez écrire dans les commentaires si c'est bon ou pas. Là, moi, je m'embarque ici sur mon petit tapis. On start. Fait que je peux me divertir d'une autre façon puis faire mes steps. Fait que j'écoute Tom Clancy en faisant mes steps ici. Puis j'ai pas besoin de. Puis si jamais je voulais, je pourrais prendre ma manette Xbox gamer. Fait que, à place de changer de salle, changer d'air, puis pas avoir de besoin de plier, puis de. Fait que, ouais, je parais sûr, j'ai deux tapis en gros, c'est ça que j'essaie de dire. Fait que, je vais écouter un peu de ça, puis. Ça ressemble à ça pour le moment. By the way, l'acteur qui joue Jack Ryan là-dedans, Jim de The Office, qui est là. Peu importe ceux qui ont écouté The Office, c'est un de mes épisodes d'émission préférés. Leur humour, je trouve ça fucking drôle. Si vous aimez pas ça, ok. Et puis, repas numéro 5, 115 grammes de poulet, 300 grammes de riz. Comme l'autre repas que j'avais tantôt, 3. Fait que, après ça, il va me rester repas numéro 6. Puis après ça, j'ai en général mes 25 maquis. Mais là, vu qu'on est samedi, puis ça tombe un leg day, normalement, je planifie un peu mes journées de soir de cheat le samedi. Là, j'hésite. Est-ce que je mange des sushis? Ou est-ce que j'échange pour le cheat, puis je cheat pas demain à place? Parce que j'ai un cheat par semaine. Le jour que je veux pas mal. Puis après ça, j'ai les maquis sur mes leg days. Je fais-tu un petit switch ou non? Puis, la deuxième question, c'est, je fais-tu mon antisociable, je vais-tu seul? Ou est-ce que je me trouve des amis? Puis, parce que comme vous me savez, je suis un petit peu introverti. Puis là, je sais pas si je feel comme jase avec du monde pour aller manger ou si j'ai envie d'être seul. Les grosses décisions. Fait que là, je suis en train de finir les réels pour Gab, pour qu'il puisse poster ça. Pendant ce temps-là, je vais manger ça, écouter YouTube, puis penser à ce que je fais tantôt, les grosses décisions. Fait que. Donc,
On m'a rappelé que j'ai pas annoncé le gagnant de la protéine aux pistaches. C'est parce que j'ai complètement oublié et j'ai jamais fait le tirage. Fait que, sans plus tarder, avant que j'oublie encore, on va le faire tirer maintenant. Fait que, je suis sur Picker Wheel ici. J'ai rentré le nom des 11 participants. On va tourner la roue pour voir à qui a la chance de gagner la bonne protéine aux pistaches que je fais tirer. Parce que moi, je l'ai pas trouvée bonne. Non. Brittany, félicitations. Ça t'appartient. Fac, m'a te contacté, puis m'a chippé ça. Merci à tout le monde d'avoir participé. Puis, c'était qui je me. Fac. Je pense que c'est Noémie qui avait gagné pour les biscuits Walexy, si je me trompe pas. Fait que, si vous aimez ça, ce genre de truc. Si jamais il y a d'autres trucs dans le futur que j'aime pas, ou que vous avez des idées de tirage, peu importe, écrivez-les dans les commentaires. Je suis ouvert à n'importe quoi, ouais. Des idées de peu importe. Ça n'a pas besoin d'être pour un tirage non plus, là. Vous n'avez pas besoin de. Que je vous donne tout ce que j'ai ou ce que j'aime pas. Mais si vous avez des idées de contenu ou peu importe, ça va me faire plaisir de vous écouter. Fait que, ouais, ben, félicitations, Brittany. J'espère que tu vas l'aimer parce que. Finalement, moi, je ne traite pas pistache. Donc, repas numéro 6. 120 grammes de crème de riz. Fait que crème de riz, la nouvelle saveur, beurre de peanut, qui est comme Reese's Cup. Puis, après ça, j'ai mon creamy. 30 grammes des os. Puis, j'ai fait un mix du Rice Cosmic Brownie puis du Rice Skippy beurre de peanut. J'ai déjà goûté celle-là, puis il est fucking bon. Puis hier, j'ai goûté au cream of rice butter peanut quand j'ai fait mes crêpes. Puis c'était bien bon. Mais là, je l'essaye en crème de riz. Sans faire ça. À force de promouvoir autant de brand puis de compagnie de même. Faudrait bien que je me fasse commanditer, hein? J'ai HD, mais... C'est ça. Et puis, on prend notre glucose de Revive. Je prends une pilule par repas sur mes high day parce qu'il y a de la berbérine. Dedans, ça aide à l'aspiration des carbs. Puis si je prends trop de berbérine one shot, comme mettons divisé juste en deux shots, ça me cause des problèmes digestifs. Fait que là, je peux en prendre 6, une par repas, puis ça, ça passe. Fait qu'on va faire le test de ça ici. Ah ouais, puis j'ai mis ça aussi. Fait que ici, j'ai... Mr. Taste ou Mrs. Taste plutôt, Cookie and Cream que j'ai acheté au Shop Santé. Fait que je l'ai mis un peu par-dessus. Ça a zéro calorie, c'est toutes des fibres. Fait que. Bon lighting. Et puis le verdict pour la crème de riz. Ouais. C'est bien bon. Je préfère celle-là que le chocolat. J'ai toujours aimé beurre et peanut, fait que... Non, ils ont bien fait ce savoir-là. Puis le creamy ici, ça j'ai déjà goûté. Mais le beurre de peanut avec les bonbons Cosmic Brownie, le mélange, il est bon en tabarnak. Ouais, YouTube, mangez ça. Puis après ça, voir ce que je fais après pour mon dernier repas, si je suis antisociable, si je texte quelqu'un, ou puis qu'est-ce que je mange, où je mange. Les grosses décisions. Moi, j'ai fini tout mon travail. J'ai quasiment, ben, pas quasiment fini de vlogger, mais ouais, il va me rester un repas à fumer. Après ça, je vais pouvoir relaxer. Ça fait du bien, ça fait un petit bout, puis je peux pas juste genre chill. Fait que, on se voit tantôt. Bon, fait que j'ai décidé d'aller au... Sushi Kanda. Là, on fait un petit test. J'essaie de ma nouvelle cam DJI Pocket 3 sans écouteurs dehors, voir si ça me capte quand même pas pire. Je pense qu'il n'y a pas trop de vent. Ça devrait. Ça va voir. Fait que le Kanda Sushi est à 10 minutes de marche chez moi à peu près. Fait que ça fait des beaux petits steps.
Puis finalement, j'ai pas écrit à personne parce que moi j'ai envie d'être seul. Fait qu'on va aller manger du sushi tout seul. La petite route ici. Tranquille. Fait quoi? Ouais. J'aime cette petite cam là, super pratique pour elle. Pas trop grosse. Vraiment pas trop encombrant. Ça rentre bien dans ma petite sacoche shit. Puis ça va ça. Aller manger des bons maquis. Puis il y a un vent frais. Les derniers jours, il faisait fucking humide pour vrai. Puis là, c'est moins humide à soir. On est bien. Donc, c'est ça qui est sûr pour le moment. Je vous montre quand j'arrive au Canada. Et puis, il y a du monde en tabarnak. Fait qu'on attend ça dans rien. Mais. Exactement, on est arrivé. Donc, on va manger ça. Enjoy. Puis, on se voit tantôt. Pour. À la fin. Oh. Ça, c'est mon genre de température. Là, on est bien dehors. Fait frais, pas trop chaud. Fait que finalement, je me suis dit que j'allais faire mon cheat permissif de la semaine ce soir. Fait que je me suis dit que j'allais faire un mix de juste manger plus que mes 25 maquis habituels. Fait que je l'ai mangé 52. Puis là, je me sens bien, je remarche. Mais là, je me suis dit, ah, je vais aller chercher un dessert. Le chocolat favori est juste à côté, mais honnêtement, je suis pas mal plein. Fait que je vais marcher chez nous avant de faire des erreurs comme je fais d'habitude. Puis y a rien à manger chez nous vraiment. Fait que j'ai pas de Ben & Jerry qui traîne. Je peux pas me rendre malade. Mais non, après. Mais j'ai acheté des croissants puis des cinnamon rolls, des brioches. Que je m'étais dit que j'allais faire de quoi, mais éventuellement. Puis je suis comme, ah, je pourrais cuisiner ça. Mais moi, je suis quand même fucking paresseux. Puis là, allumer le four, attendre que ça soit prêt. Tout mettre sur une calice à plate. Je sais même pas c'est quoi les termes parce que je suis pas un cuisinier. Un baking pan. Puis après ça, attendre que ça cuise, ça se met genre 20 minutes, une demi-heure. Après ça, cool down. Fait que je n'ai pour genre 9 heures. Puis je n'ai pour genre 1 heure au moins. Fait que ça me démotive un peu. Fait que je pense que je vais juste me coucher. Puis même sans dire. Puis ben, mon cheat de la semaine, ça a arrêté sur mon refeed. Puis j'ai juste mangé le double des maquis que j'étais censé. Fait que je cheaterai pas demain. Puis, fait que quand même pas super. C'était clean. Mais il est pas trop tard. Si je filme, j'ai une petite bulle tantôt, je peux toujours prendre le char puis avant 11h aller au chocofaz, ou au marché. En tout cas, je vous tiens au courant de ce qu'il y en est si jamais je décide de faire une mauvaise erreur ou pas, peu importe. Si je gère, peut-être que je vais être capable de me limiter à une petite crème glacée ou quelque chose. Là, maintenant que je pense, je sais pas si je vous ai montré, mais ou si j'ai parlé de mon update, peu importe. Mais un matin, j'étais 200... 24 livres, si je me trompe pas. Fait que, il faut voir que je regarde des clips parce que ma mémoire est pas très bonne. C'est plus de coup de mémoire, un peu. Fait que si je n'ai pas parlé, je vais poster toutes mes photos au progrès check-in un matin. Fait que pour 224 livres, quand même, pas si pire encore. 40 livres au-dessus de stage weight. Je me rappelle d'avoir dit que j'étais 40 livres au-dessus de mon stage weight un matin. Fait que je n'ai peut-être parlé. Sinon, depuis tantôt, vous voyez les photos. Puis, je suis plus soft, évidemment. Mais, c'est ça que ça prend pour être gros. Puis, on va aller chercher 250. Fait que, on va être encore plus soft. Puis après ça, le plan, c'est de tenir le 250 pendant un petit bout. Ensuite, faire une mini-cut, éventuellement. Redropper à je sais pas combien. Remonter à 250. Mais cette fois-ci plus beau. Plus beau look, évidemment. Parce que quand on fait une cut et on vient un poids qu'on était auparavant, le look est toujours meilleur. Puis après ça, partir sur une prep et stager entre 215 et 220 livres en tant que heavyweight à 5 et 8, quasiment 9. Ça va être pas payé pantoute. Puis tout dépendant du time frame que ça va prendre, la durée, je sais pas ça va être combien de temps. Fin 25, fin 25, fin 26, peu importe. Mais on va s'y rendre. Fait que c'est ça pour le petit update. En tout cas, tout ça étant dit,
On va mettre fin à ça, à moins que, comme je vous dis, je décide de faire quoi. Fait que sur ce, merci à tout le monde d'avoir écouté le premier épisode de, je pense que vous m'en aimez ça, classique à open, épisode 1. Donc, merci à tout le monde. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner. Puis, ben, c'est le temps de get big, hein, tabarnak. On va être un bon heavyweight. Parce que, on a dit salut à classique. Fait que, sur ce, bonne nuit.